Comme chaque dimanche, on prend le pouls d'un de nos voisins européens. Cette semaine, direction la Pologne. Le sujet polémique du moment dans ce pays très catholique, ce sont les droits de la communauté LGBT. Avant d'aller plus loin, voici quelques éléments pour mieux comprendre comment l'homosexualité est traitée en Pologne. En Pologne, l'homosexualité n'a jamais été illégale et a été inscrite dans la loi en 1932, bien plus tôt que dans d'autres pays européens. Mais sous l'ère soviétique, elle était considérée comme une maladie mentale. Elle a été retirée de cette liste en 1991 seulement. Depuis 2003, un décret anti-discrimination prévoit l'égalité des homosexuels devant la loi. Mais le mariage entre personnes du même sexe n'existe toujours pas en Pologne. La constitution polonaise définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme, une position énergiquement défendue par l'Église catholique. Pour le PiS, le parti au pouvoir de l'ex-premier ministre Jarosław Kaczyński, l'homosexualité menace les valeurs traditionnelles. Elle reste l'un des thèmes les plus controversés dans la société polonaise. En ce moment, la bataille pour les droits des homosexuels se joue dans la capitale, Varsovie. Le maire progressiste veut les étendre, provoquant une levée de boucliers du clergé et des attaques des conservateurs. Au milieu de tout ça, la communauté LGBT tente de faire entendre sa voix au risque de s'exposer aux insultes et aux violences. Pologne, un sanctuaire pour l'homophobie, c'est notre grand format du week-end. Il est signé Franck Dur et Thomas Vollerbst. À Varsovie, la communauté LGBT est au cœur d'une crise politique depuis quelques mois. Le maire veut protéger les homosexuels contre les discriminations. Mais pour l'Église catholique et les conservateurs du parti PiS au pouvoir, la communauté LGBT constitue une menace pour la société polonaise. Matthews et Matthews vivent à Varsovie. Ils sont en couple depuis environ 6 mois. Il nous montre des photos d'un défilé LGBT dans la ville polonaise de Białystok. Des militants, agressés par des hooligans, ont été la cible de jets de pierres et de bouteilles. Ce qui s'est passé est horrible. On savait déjà que ce genre d'incident pouvait se produire lors d'une gay pride. Mais ce qui s'est passé là est inimaginable. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les évêques et les prêtres ont remercié ces individus pour avoir protégé la civilisation occidentale. Certains disent qu'en renforçant les droits de la communauté LGBT, on réduit les droits de la famille. Qu'en pensez-vous? Ils vont même jusqu'à dire qu'on agresse les enfants et que la charte LGBT les sexualise à l'école. C'est n'importe quoi. La charte LGBT du maire de Varsovie prévoit un cours d'éducation sexuelle à l'école, mais aussi un hébergement pour les jeunes homosexuels rejetés par leur famille. Piotr Mazorek, du parti PiS, est membre du conseil municipal de Varsovie. Pour lui, ce projet est tout simplement inacceptable. Dans la charte, de nombreuses questions restent vagues, notamment celles qui concernent le financement. Récemment, un foyer pour mères célibataires a failli être fermé par manque d'argent. Et maintenant, il va devenir un foyer pour jeunes LGBT. En marge du débat, il est question d'une guerre des cultures. Mais de quelle culture s'agit-il? On peut en effet parler d'une guerre des cultures, car ce sont les mêmes politiciens qui militent pour les droits des LGBT et qui attaquent l'Église catholique. En Pologne, où 86% des citoyens se disent catholiques, les déclarations de l'Église ont du poids. Et celle-ci n'a jamais cessé de fustiger la charte LGBT. Malheureusement, aucun membre de l'Église n'a accepté de répondre à nos questions. La campagne contre l'homophobie veut montrer que l'on peut à la fois être membre de la communauté LGBT et catholique. Selon Slava, le porte-parole du mouvement, les homosexuels sont de plus en plus stigmatisés par les politiques. Le parti au pouvoir a instrumentalisé la communauté LGBT et les thèmes qui lui tiennent à cœur pour présenter ses membres comme des ennemis.
L'idée est de renforcer le parti et d'affaiblir les opposants politiques. Résultat, les membres de la communauté LGBT sont agressés dans la rue parce que des politiciens les stigmatisent ouvertement. Lors des dernières élections législatives, il y a 4 ans, le thème phare de la campagne électorale était celui des réfugiés, un sujet qui avait été récupéré par le PiS et d'autres partis. Aujourd'hui, ce sont les droits des LGBT qui monopolisent le débat politique. La presse aussi s'acharne sur les homosexuels. Dernier exemple en date, l'hebdomadaire ultra-conservateur Gazeta Polska. Dans l'édition de cette semaine, le journal a distribué des autocollants avec l'inscription « Zone sans LGBT ». Dans l'éditorial, on peut lire que les LGBT ne forment pas une minorité, mais constituent une idéologie totalitaire. Histoire de rajouter encore un peu d'huile sur le feu d'un débat déjà brûlant.